Ça, c'est la petite touche l'ODEM, ça. Ça, j'aime bien. Je trouve ça stylé de graver l'intérieur du couvercle. On va commencer par celle-ci. Et je vais quand même lui faire sa petite touche de peinture. Ici, j'aime bien. Bordel, j'en veux une. Ah, merci. Bah, je vais faire celle-là. Et après, ce que je me disais, c'est que les prochaines, je pense que... Déjà, on va voir comment elles marchent. Je vais voir comment elles marchent. Je vais voir... Comme elles sont toutes un peu différentes, je vais voir ce qui marche le mieux. Même juste... En termes de bec, de forme et tout, de anse, ce qui est le mieux. Et j'aimerais bien en proposer, genre proposer des, en mode une espèce de coffret où tu as une théière et deux tasses qui vont avec, du coup, où à chaque fois les deux tasses, elles auront des formes un peu différentes pour qu'elles aillent, qu'elles matchent vraiment la forme de la théière. Pour que ça fasse... Mais ça fait des gros coffrets. Enfin, en soi, le lot théière plus deux tasses, ça fera... Enfin, je sais pas encore exactement les prix, il faut que je les calcule, mais ce sera dans les alentours de 175 euros, 200 euros, quoi. C'est vite dans ces prix-là. Donc je veux pas faire que ça non plus, parce que déjà une théière, c'est cher, rien que tout seul. Mais je me dis que ça peut être chouette, un coffret théière et deux couvercles, enfin, et deux tasses, ça peut faire un très beau cadeau aussi. Donc je vais essayer de faire ça. Une idée des prix, la théière toute seule, ça va être au-delà de 100 euros. Et ensuite, avec deux tasses, ça va faire des coffrets, je pense. Enfin, je sais pas trop encore, mais ça va être aux alentours de 175-200 euros, je pense, à un coffret. Mais la théière en elle-même, ce sera pas en dessous de 100 euros. J'aime bien les anses. Elles font comme des fleurs sur la première. Sur celle-ci, ouais, sur le petit côté, j'aime bien. Le bec, tu le rajoutes après. Oui, tu tournes. En gros, là, je tourne le corps de la pièce, je tourne le bec et je tourne le couvercle. Et ensuite, j'assemble tout ensemble. Faut bien calculer pour que tu perds pas de l'argent. Oui, c'est pour ça. C'est pour ça, là, je n'ai pas encore calculé, donc je sais pas, mais c'est. En tout cas, c'est pas en dessous de ces prix-là. Bonjour Xiske, bonjour à toi. Ça va bien et toi, merci beaucoup. Le bec est tourné, oui. Attendez, je vais faire le petit C. Assez. C'est le thé à l'anglaise. Ça marche l'argenta. Bon courage pour ta réunion. Mais passe un bon week-end. Merci d'être passé, c'est trop gentil. Le bec est tourné, oui. Tout est tourné. En gros, je viens tourner. Enfin, bon, du coup, je le tourne, tu vois, comme ça, quoi. Est-ce que j'ai pas. Non, je l'ai cassé, j'avais un test. C'est gentil, Kiske, merci beaucoup. Passe une bonne après-midi et un bon week-end. Mais oui. Non, je suis contente. En tout cas, je les aime bien. Je les trouve belles. J'espère qu'au niveau de la forme, ça ira, quoi. Et... faut que je nettoie à l'intérieur. Parce qu'il y a les trous pour... J'essaie de casser un peu. Parce qu'il y a les trous... Pour bah, laisser passer l'eau, évidemment. Une vague un peu jade, franchement, qui fait plaisir. Ouais, j'aime trop. J'aime trop aussi les théières en fonte japonaise. Je trouve ça trop beau. Ensuite, il y a l'émail qui va venir lisser à l'intérieur, mais. Je pense que c'est bien. Hop, bon, on va graver, hein. J'ai un peu peur, mais il va falloir. Ok, la cam. D'accord. Truc que j'aimerais faire quand je déménagerai, un petit coin un peu jap, genre vaisselle, table basse et déco, genre le petit coin service à thé un peu. Ouais, elle a du mal, hein. Le téléphone, il a un peu du mal, hein. Il fait un peu des siennes. Qu'est-ce qu'on va pouvoir dessiner? J'ai peur de dessiner, hein. J'ai trop peur. Elle se met en grève un peu, ouais. J'ai vraiment très très peur de dessiner dessus. J'ai peur de tout gâcher en dessinant là. Faut y aller, hein. C'est chaud. Ok, faut pas y aller de suite. J'ai trop peur.
Ça va être canon. Ouais, mais si je gâche tout avec le dessin. Parce que là, c'est beau, mais what if? C'est les mêmes montagnes, mais c'est pas sur la même forme. Et genre, comment est-ce qu'il faut qu'elle. Elle va pas vraiment s'enrouler? Ou il faut qu'elle commence là, qu'elle grimpe et qu'elle finisse de l'autre côté? What if de rien du tout? Ok, j'essaye. En plus, vous voyez pas. Bon, vous voyez pas, vous saurez pas trop à quoi ce que c'est. Ah, j'ai creusé, j'ai fait un trait. C'est agréable à dessiner parce que du coup c'est comme si je dessinais sur du papier, vu que c'est presque droit.